Comme annoncé, à l'issue de notre séance du samedi 13 novembre 2021, l'Assemblée nationale entame ce jour l'examen du projet de loi de finances de l'exercice 2022, qui est en fait la matière principale de la présente session. Pour ce faire, votre bureau a invité Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre part à nos travaux. Pour ce faire, il est accompagné pour la circonstance de toute son équipe gouvernementale. Je demande au service de protocole de le faire entrer dans l'hémicycle selon l'ordre de préférence ci-après. D'abord le vice-ministre, les ministres, délégués et les ministres. Ensuite, les vice-premiers ministres et les ministres d'État. Enfin, le premier ministre, chef du gouvernement. Protocole exécuté. Hello. Sama Lokonde, na kile nkwalo lu ya titia insi ya Republic Demokratiki ya Kongo. Kena kubakama awa na kati ya inzo ya kinsonsi ya insi ya Republic Demokratiki ya Kongo. E, yandi kile yandi mosive. Ya mekuza nata kimvuka ya banku wa lulia luyonso. Samu na kuiza kumonisa na kangu ya insi ya Republic Demokratiki ya Kongo. Nkela ya mbongwe na mekuza tula na kujatisa mbote mbote luyalu yina kele mingi penza kukwiza. Mpanga luzolo mke munu mosive, mke pesa kinzonzolo, na mpanga beto mamima mbweni, na ketu baka ndinga kikudi Lingala, samu pia kuzabisa beto na ndinga Lingala, mutindu mambu yosike na kulutila awa na palea pepe. Ya solo bande kobalandi mana kama radio television nationale congolaise ban ensemble école Congo démocratique tozwami awa onda kwa makita ya congrès ya palais du peuple wapi pai melulu ya kafu kafu miko salima na mwa minute moke oyebi ete assemblée nationale na likita li bazomaka ezalaka o mezone na itamu sanza ya libwa utaki bongo koleka kati na likita ya lisi kulu lena mokambi assemblée nationale asenga kibongo na mingi penza mokambi kozo asenga kibongo na baimbu la matari bako kabongo koye kula disusu bozindo miango memisolo mimi kutambwisa ekolo Kongo demokratike mpo ya mubu kuto ibale na ntoko ibale na ibale na tina ena mokomwa le londe ministre mokondi wazali bongo mokambi ambu la matari Jean-Michel Sama Lokonde yende akuya sika awa oboso ya bakeli mibeko mpo ya botali sina bango miango mia misolo mimi kutambwisa ekolo Kongo demokratike mpo ya mubu kuto ibale nantuku ibale na ibale niko ibate akozala ye merite kasi akozinga mapena ndambo ya bakambi ya mbulamatari ba iba kosala bongo misala mbulamatari ekolo Kongo demokratike ndi banso tokolanda undela ya bilili soki mosolomona mokozwa motango boni zambi mosolomona ndi ekosala mambi me misala ndenge na ndenge mimi kotambisa ekolo ya biso mpwe moboko to ibale nantuku ibale na ibale yango na mwango nga mukende ministre mokonzi akukota onda kwa makita
ya parler du peuple mingi penda on doit comme quitter à congrès ya parler du peuple pour na pouvoir kutali ça miango mia misolomie mi kotambusa ikolo Congo démocratique un po ya mbu kutoi balé na tokui balé na ibalé ya solo na zomi pemene na ngai na wabiso feza kalongo la rose ye akukende kutali ça na badeko abiso ya bazomi kisangani boyoma na etuka ya oriental nini ozali kuleka awa onda kwa makite ya congrès ya parler du peuple feza kalongo. Matondo mingi mami mambweni ni kusema kwamba tumepatikana hapa kupale di peple mahali ambapo kilele kinaweza kufungua milango yake kutokana tu na wakati wanabunge waliweza kurudi wakati wa tarehe 15 Septemba uliopita katika kipindi cha kawaida chenye kuangalia bajeti katika hotuba wake ya kufungua kabisa kilele hicho presidenti aliweza wa presidenti wa baraza la bunge aliweza kuomba kabisa kwa liwali ya kusema kwamba kutokana tu na uchunguzi pia kukubaliwa kwa mpango wa kanuni za pesa ya muhimu kabisa ambaye ya mwaka wa 2022 ambaye waziri mkuu Jean-Michel Samboko Kienge ataweza hivi pia kabisa kusemea kuhusu budget hiyo hapa ku baraza la bunge. Kwa ukumbusho ni kusema ushauri wa mawaziri uliweza kabisa kukubali Ijumaa tarehe 10 Septemba uliopita mpango wa kanuni pia za pesa ni wa mwaka wa 2022 ndio mpango wa bajeti wa mwaka wa 2022 uliweza kabisa kuonyeshwa kabisa waziwazi kutokana tu na pesa zenye kuingia na zenye kutumizwa ya kiasi kabisa cha biliarde 20.682 ya franka ya Congo. Hii kusema katika dola ni biliarde 10 ya dola ya Marekani. Ndiyo kabisa kutokana tu na ripoti hiyo ya bajeti ya mwaka wa 2021 ndiyo kiasi kia pesa hicho chenye kabisa kiliweza kufanya kazi iliyopita. Ndiyo kwa wakati waziri mkuu amengojewa hapa kwa kuweza kuya kusemea kuhusu bajeti ya mwaka wa 2022 ambayo ataweza kufanya kazi mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndiyo waziri mkuu Jean-Michel Samalukonde amengojewa hapa kupale di pepe kwa kuja kuweza kusemea tu kuonyesha bajeti hiyo ya mwaka wa 2022 hapa kwenye bunge ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya uongozi wa presidenti Christophe Mboso. Ndiyo kabisa kilele hicho itaweza kufanyizwa na wakati huo anamngojea waziri mkuu aje kabisa atatue afasirie kabisa bajeti hiyo kama ni itaenea kabisa kwa kuweza kufanya kazi mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sababu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina kazi mingi ya kufanya, njia, mahospitali, mashule, iwe hata matengenezo mbalimbali yenye kuangalia tu kabisa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio waziri mkuu ataweza kabisa iwe hata mshahara wa utumishi wa kazi wa serikali wenye inaomba kabisa kuwa katika budget hiyo kwa kuweza kuangalia namna gani pia kuweza kubadili mshahara wao. Yote yale yanaingia katika budget ambaye waziri mkuu Jean-Michel Samalukonde atakuwa kusemea leo hapa mbele ya wateule wa kitaifa wachaguliwa wa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye wataweza kusikia budget kiasi cha pesa ngapi ambaye ikiweza kukubaliwa na serikali Kenya kitaweza kabisa kuongoza kazi mbalimbali ndio kwa kuchunga kabisa waziri mkuu aje kabisa ajifasiria mafasiria kabisa budget hiyo ya pesa hizo zenye zitaweza kutumiwa wakati wa kutumika kazi hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana wanabunge wote wamepatikana hapo kwa kusemea tu kuangalia kile ambacho tukiweza kufanyiza kutokana na budget hiyo ambaye waziri mkuu amekuja kabisa kuonyesha mbele ya bunge chini yake uongozi presidenti wa baraza la bunge. Ila kabla ya kumchunga waziri mkuu Jean-Michel Samalukonde Kienge, tutaweza kwa kubarudishia tena sauti kwa mwenzetu Sylvie Moembo, huyo aweze kabisa kuwafasiria kabisa nini yenye kupitikana hapa baraza
na bunge ambayo wanduku zetu wenye hawasikii lugha wenye wanajua tupaa kifaransa wajue nini tunapatikana hapa baraza la bunge ni nini kabisa ukomo wa wateule kukutana leo hapa kwenye darasa ya mikutano. Sylvie Moembo. Accenti Feza Kalongola, très chers spectateurs, le président de l'Assemblée nationale, AVFI, appelle au ministre, au vice-ministre, au ministre d'État, au vice-premier ministre de faire leur entrée ici dans la salle de congrès avant que le premier ministre, chef du gouvernement, puisse prendre la place. Et c'est ce que vous êtes en train d'observer tout à l'heure dans vos petits écrans. Il y a une ambiance terrible ici. Le ministre sont en train de saluer les députés nationaux. Il y a une cordiale ambiance. L'ambiance est de taille ici, si je peux le dire comme ça. En attendant que le Premier ministre puisse faire son entrée, il y a le membre du gouvernement qui ont déjà pris place. Et si nous pouvons dire quelque chose pour le budget qui va être débattu aujourd'hui par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, que le Conseil des ministres avait déjà a adopté l'avant-projet de loi des finances pour l'exercice 2022. Ce projet de budget 2022 va être présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 20 682,6 milliards de francs congolais, environ 10,3 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 41,5% par rapport au budget de l'exercice 2021 qui était chiffré à 14 605 milliards de francs congolais. Et le week-end passé, le ministre d'État, ministre du budget, Aimé Bouji Sankara, et le ministre des Finances avaient présenté le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021 et la reddition des comptes 2020. L'Assemblée plénière avait déclaré recevable ces projets de loi et la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de la Chambre basse a 10 jours exactement pour étudier, pour un examen approfondi par rapport à ces deux projets de loi qui étaient déclarés recevables le week-end dernier. Clarisse Pelende. Na maboko ya mosi ya kimvuka ina kina kutala mambo ya kimvua masamu na kutala nini mutindu ya kubongisa mambo ya gouvernement e, na yau bosi kimvuka ina kitalaka mingi mambo mekutala mbongo mambo mekutala nini mutindu za tusula bisalu ya lewele kina kusalama baku zaka bikisila bao mwantangu ndambo tangu ya fioti samu na kupesa bao nzila na kutala jambo ngombo tembote pe kumonisa ya udiaka na ntwala ya banku wa Kinzonzi samu na kuzaba ambo tembote nini mutindu lielu fanaka mingi penza kujatisa bisali na bao na mutindu mosi ya kufanakana. Kansi mambo inabetu mekusavandila mingi yao ikele mambo mekutala nkele aleta. Mpanga zo bani sabani ya sikuza ba bisali ya leta kena kunyonga. Kana betu tala mutindu mambo ke kwende na kati ya insi ya Republiki Demokratiki ya Kongo. Bisaji ya leta ke na satu baku za buwaka mbongo ya kufanakana, lufuto ya kufanakana, samu ya pesa bao luzingu ya mbote. Nde na jambo angoi na kwa luya lutopi nkwa leke na kutana mambo akele ya leta. Na ntangu ya kuzaka luta na ntora ba mwangisi ya nsangu, samu na baku wa Kinzonzi, ya kuzaka mingi penza kutubila jambo akele ya leta ina na kuza tubati. Luyalu kena kubongisa tope mesala manaka ina yankele alita ikele mingi penza samu nakutana mingi luzingu yankangu ya insi ya Republiki Demokratiki ya Kongo na yao na ndeki lumba bubu bosi mbongo angoina bamekuza mingi penza kubongisa yao na mutinu mosi ya kufanakana pe bamekuza zimbana ata kima jambu mosi ve pamba venda bamfula meka tukaluta ya vandaka mingi kala bamekuza tutasala mbongo bamekuza tula mbongo ya leta ya vandaka mingi bamekuza zimbana mambu mingi
ya kutala kana boss kisumbula mekuza na kokota na kati ya nchi ya République démocratique ya Congo bavanda katula yao ve na kati ya nkela l'état quand si boss nkolelu ya nkela l'état kuza kazabisa na mvula yeto mvula ke kuza tavanda mutindu na ve yalu mekuza baka mambu yonsa mza kota yao na nkela l'état samu na kupesa nzila tilu yalu kusala kisalu na bau na mutindu mosi yake na kufanakana na kati ya nkela l'état ina bamekuza banzila pe ba bisadi ya l'état ba ina yonso ina ke na sato kubaka mbongo ya kufanakana e bosi mke na kutubila bila ntangwa yi ikele na ba bisadi ya l'état nkaka ke na nganda kuna ba bosi mutindu batu bakande kilumba buki kusavanda kilumba ake tubila nkela ya l'état ba upepo na kamingi penza mama mami bakuiza na ba makakalakani na bao yonso na mambo mimi kutara jambo mbongo samu na kumuonisa yao na ntangu baki na kutubila jambo nkela alita bakotisa pe makakalakani yonso ina samu na kuiza pesa bao nzila bakusa baka mbongo lufutu na bao bosi bakele kuzodila tala mpanga luzolo jambo ina mimi kusafandisa betu hawa betu ke banzati na ntangu kwa lele antete takuza mingi penza kubaka ndinga ya takondwa ve kumuonisa mbongo ina tafuanana kupesa luyalu nzila kusala kisalu bosi yake na kufanakana. E mbongo ina pe takuza mingi penza kulungisa nsatu ya bisadi ya leta mama mami. Matondo na nge mpanya muno Clarisse Pelende, lenge uchi kuhibi sabande kwa abiso na lokota ya Kikongo ya Solo. Milulu mialelon, tope mokuma lelon, izali penza na motu ya Zambi. Ministre Mokondi Jean-Michel Samalokonde ye akoya kutalisa motango mwamu Solomo ye, moko kambabongo misala miambula matari, mpo ya mibu, kote balena tukui, balena ibale, lungu boebi ete ya leko batalisa ki mwango mwamu Solomo na yoko lingomba, tope lisanga, leko tala kamambi mami Solomo, bapesa ki mwango mwantango, mwango bazwa ki mwantango, mpo ete baki nili susu koye, kola obuzindo koyeba malamu malambo ndenge kani musulumi nami kokabwa na pamba tempo sa ezali ete bulamatari posa ye ezali ete ezala ongambo ya basali banso ya leta lokola mpe bayimboka ebikeli ya bango ezala malamu tope social na yango mukambi kolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo omanaka mayelo lenge ya teke ete moto azali penza na esika ya yambo ndenge ya kolobaka tango inso le peuple d'abord yango alingaki ete bana nsomi ya kolo Congo démocratique bazala malamo bazala na ebikeli ya malamo karantina atalisaki apesaki ndingi sa ete mbula matari basengeli kosala mosala na ndenge elongo bani sekati o misolomi ye bakanisalaki mpe lisusu basali baleta pamba te basali baleta to mpe tokobengaka bafonctionnaire bazali ntango inso na milelo bazali ntango inso kolela ete ebikeli ya malamu ezali te na yango kati na mosolomo ye mokotambwisa misala ya mboka bakaniseli mpe nkokoso iyezwa mingi mpenza o basali banso ya leta ya ekolo Congo démocratique ebongo mpe biteni na biteni batalisaki mposa ya bango na bokomi yango onzela ya manakama mikanda mpe batalisaki mingi mpenza na mbula matari na yango lelonde ministre Mokondi akoya kotalisa polele polele mosolomo na lolenge ekabwani tope molenge bakosalela misala na ntina ete ezala basali baleta ezala bato ndenge na ndenge o bakosala mosala okati ekolo Congo démocratique bazala na lifuti ya malamo ebikeli ya bato banso reprenez vos places s'il vous plaît ezala malamo po ete mwana nyonso ya kolo dégagez le couloir na bomengo ya ye o mabele ya République démocratique ya Congo talaka lelonde tokotalisa poko ba disangali na likotalisa mingi penza lolenge basalaki mosala lolenge bayekolaki lisusu o bozindo motango mwa mosolomo na oyo ekotiama na ntina ete mbula matari na ntina ete mwana nyonso to mpe mosali nyonso ya leta ayeba na kosepela na ebikeli ya ye oleko akosala mosala o mabele maekolo Congo démocratique talaka soma ye makoloba malelo okati ya milulu miye mikosalema ondako ya makita ya congrès ya palais du peuple wape pai bakili mibeko nto mpe badepute basili bongo koyingela okati ya ndako na bokambi mibwa mboso nkodia oyo akotakamba bongo likitale ya mokolo mwalelo solo tokozela se omwa ngonga moke bakambi ya mbula matari basili bongo koyingela kasi ministre ya mokonzi nde akokota kati na oyo esika na mwangonga moke mpona koya kotalisa miango mia misolomi ye mikokamba ekolo ya biso tope mikotambwisa ekolo ya biso mpo ya mobu nkoto ibale na ntuku ibale na ibale na bandi totikali se na sanza moko mpo tokoka koyingela omobu koto ibale na ntuku ibale na ibale etikali se mikolo mia kotanga
poto bana ko sili sa bobo moye poto kota na bomo mobu mosika oyo bobo moye bulamatari e ko sala peza mo sa mwango na ndenge elongo bani pona ko sepelisa pona kona yano na mbela ya bayimbuka ulenge ebikeli ya bato eko bongo mana ulenge misala miso mikotomba ma pekita ekolo ya biso eko kede bongo obuso na banzi na mwatanga moke bayimbuka bokolanda na bozindo pe na bokebi inso ulenge ministre mokondi akotali sa misolomie mikokamba misala ya mbula matari o republique démocratique ya Congo. Feza Kalongola ozwami omopanzi ya ngai na banzi outaki kozwa maloba kasi sikampe bayimbuka bakozela nini kokotali sa bande ko ya biso ba mina sema beba zoni kuna oetuka ya oriental cheza kalu matondo mingi mami mambweni kama vitu itoa kwa jurishi ya kusema kwamba ukitoka nje ya Palais du Peuple utaona watu ni wengi kabisa kwa vyama mbalimbali wenye kutegemea tu budget. Nous poursuivons nos travaux. On est allé hapa kwenye baraza la bunge. C'est une journée importante. Nous traitons la matière de la session. Donc, restons attentifs et suivons. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir. Celui de vous souhaiter, au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau et au mien propre, la bienvenue à cet hémicycle. Je forme le même souhait à mesdames et messieurs le vice-premier ministre, les ministres d'État, les ministres délégués ainsi que les vice-ministres. Il en est de même de vos collaborateurs respectifs ici présents. Chers collègues, notre ordre du jour comporte un seul point, à savoir l'examen et le vote du projet de loi de finances de l'exercice 2022. Pour que nous puissions en débattre, étant un nouveau point, nous allons devoir préalablement l'ajouter à notre ordre du jour. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour l'ajout de ce point à notre ordre du jour ? Examen et vote du projet de loi de finances de l'exercice 2022. Qui sont pour ? Merci, collègues. Qui sont contre ? Hakuna. Qui s'abstient ? Hakuna. Deux abstentions. Au vu du résultat des votes, l'ordre du jour tel que complété est adopté. Chers collègues, nous passons sans plus tarder à l'examen de ce projet de loi. J'ouvre une parenthèse pour préciser que les documents y afférents vous ont été déjà distribués et votre bureau estime que chacun de vous a pu s'en imprégner en prévision du débat.
que nous allons engager dans quelques instants. Ceci dit, nos délibérations sur ce projet de loi débutent par le débat général, selon la procédure prévue par l'article 148 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Honorables députés, chers collègues, pour un bon déroulement de nos travaux, nous allons procéder de la manière suivante. En premier lieu, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, prendra la parole pour présenter l'économie du projet de loi de finances de l'exercice 2022. En deuxième lieu, le débat sera ouvert et chaque orateur prendra la parole pour un temps ne dépassant pas 5 minutes. En troisième lieu, enfin, à l'issue des interventions des honorables députés, nous accorderons la parole à Monsieur le Premier ministre pour rencontrer les préoccupations exprimé par les honorables députés. Chers collègues, mais avant de nous adonner à cet exercice, je voudrais attirer l'attention du public. Il n'y en a pas d'ailleurs. Je voudrais attirer l'attention du public sur le strict respect des dispositions des alinéas 1 à 7 de l'article 258 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale concernant le maintien de l'ordre dans la salle pendant les séances. Je demande à l'honorable rapporteur d'en donner lecture à l'intention du public. Sema leo ni mpango wa uchunguzi na kukubaliwa kabisa kwa bajeti ya mwaka 2022 ndio itaweza kufanyizwa hapa pale Dipepe, sio maonyesho ama ya waziri mkuu. Je vous remercie pour la parole, honorable président. Article 58. Il est interdit à toute personne non revêtue de la qualité de parlementaire de prendre place dans l'heure réservée aux députés. Si nécessaire, seuls peuvent y circuler les personnes autorisées, à savoir les personnels politiques et administratifs de l'Assemblée nationale, les assistants des députés ainsi que les membres de la presse et les photographes accrédités, porteurs des macarons d'identification visible. Les invités aux travaux de l'Assemblée nationale ainsi que les hôtes de la Chambre s'installent derrière la place réservée aux députés. Le public s'installe au balcon, à concurrence des places assises disponibles. Pendant la séance publique, les personnes placées au balcon
Chers collègues, à présent, j'invite Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre la parole pour nous présenter l'économie du projet de loi de finances soumis à notre examen. Waziri mkuu ameitwa kwa kwenda kuonesha kabisa kiuchumi ya kanuni ya mpango wa bajeti huu wa mwaka 2022. Ndio waziri mkuu amechukua. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci, Honorable Président. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable députés nationaux et légitimes du peuple congolais, permettez-moi d'entrée de jeu d'exprimer aux représentants du peuple que vous êtes, les remerciements du gouvernement de la République pour l'opportunité nous offerte ce jour de soumettre à l'examen et au vote de votre auguste assemblée, grand temple de la démocratie, le projet de loi de finances pour l'exercice 2022. Déposé au bureau de l'Assemblée nationale le 15 septembre dernier, conformément aux dispositions des articles 126 de la Constitution et 83 de la loi relative aux finances publiques. La présentation de ce projet de loi intervient au cours de la même session parlementaire que le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021 en cours d'examen, lequel prend en compte notamment l'évolution de la situation économique et budgétaire, marquée entre autres par l'amélioration de la croissance économique, l'embellie des cours des principales matières premières d'exportation du pays et la mobilisation des recettes publiques. Comme vous le savez, le projet de loi de finances pour l'exercice 2022 soumis à votre examen est le premier à être élaboré après l'investiture de ce gouvernement intervenu le 26 avril 2021. Il s'aligne sur le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2023 et s'inscrit dans la droite ligne de la vision de Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui vise à faire de la République démocratique du Congo un État fort, prospère et solidaire en marche vers son développement. Je me dois d'ajouter que c'est lui qui nous a assigné la mission de réorganiser et de restructurer notre économie avec l'ambition courageuse de créer davantage de richesses et de mieux en assurer la répartition entre les différentes couches de la nation.
Indiscutablement, il s'agit là d'une mission, je dirais, colossale, qui nous impose du sérieux, de l'abnégation et surtout une ferme volonté. Du sérieux, parce que sans discipline budgétaire, sans observance des règles d'éthique dans la gouvernance, il est illusoire, voire impossible, d'atteindre des résultats probants. De l'abnégation, parce que la tâche est tellement immense, les défis tellement énormes qu'agir sans sacrifice, sans abandon de soi, ferait planer le risque de la résignation. De la ferme volonté politique, enfin, dans la mise en œuvre des choix que nous avons opérés en accomplissant notre mission avec détermination, méthode et efficacité. En tout état de cause, s'il est une chose sur laquelle on peut tous être d'accord, c'est que les Congolais, d'où qu'ils soient, et quelle que soit leur tendance, attendent de nous, gouvernants, autre chose que ceux qu'ils ont déjà vécu. Ils exigent de nous du concret et du palpable dans leur vécu quotidien. Honorables députés nationaux, point n'est besoin pour moi de rappeler que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est le fruit d'une volonté politique, celle de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'offrir à notre nation de nouvelles perspectives d'avenir face à la profonde crise politique et socio-économique dans laquelle elle était plongée. Ce profond changement n'aurait jamais eu lieu sans l'appropriation de ce combat par les dignes représentants de la nation que vous êtes. Ce gouvernement est donc la résultante de votre volonté collective de permettre à notre pays d'emprunter le chemin de son redressement. Redressement de sa sécurité, mise en péril par des centaines de groupes armés qui y sévissent sans être inquiétés. Redressement de sa justice et de l'état de droit, qui n'était qu'un vœu pieux. Redressement de son administration publique, qui n'existait plus que de nom, sans maîtrise des effectifs, et avec certains fonctionnaires ayant dépassé l'âge de 100 ans, sans avoir été mis à la retraite. Suivez mon regard. Redressement de son économie et de son système financier, déstructuré et rongé par toutes sortes d'antivaleurs. Redressement enfin de ses structures sociales, enseignement, santé, accès à l'eau potable et à l'électricité, logement, dont la faillite a fini par jeter les Congolais dans le désespoir et la résignation. Depuis le 26 avril 2021, nous nous sommes attelés à œuvrer dans tous ces domaines afin d'obtenir un début de changement qui nous éloigne du style simplement théorique au profit d'actions concrètes. Je suis convaincu que cette inversion des tendances et ce changement de narratif vont devoir gagner du terrain en déclenchant ça et là des processus de réforme allant tous dans le sens d'apporter un véritable changement dans le quotidien de nos compatriotes. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre
du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais, avant de vous présenter l'économie générale du projet de loi de finances pour l'exercice 2022, je commencerai par vous présenter le contexte sociopolitique de notre pays dans lequel votre gouvernement a élaboré le dit projet de loi. Ensuite, j'épinglerai les faits marquants de l'environnement économique récent, au plan tant interne qu'international, lesquels justifient certaines options prises dans le cadre de ce budget, assorties de perspectives pour l'exercice 2022. En troisième lieu, je rappellerai de manière succincte la situation de l'exécution de la loi de finances de l'exercice 2021, telle que contenue dans le projet de loi rectificative présentement en cours d'examen au niveau de votre chambre législative. En quatrième lieu, j'aborderai les grands axes du cadre budgétaire à moyen terme élaboré par le gouvernement et adopté pour la première fois en Conseil des ministres, lequel cadre définit la trajectoire des finances publiques de notre pays pour la période allant de 2022 à 2024, soit 3 ans d'exercice, et ceci en perspective du basculement de notre pays vers le budget programme. Cinquièmement, enfin, je déclinerai les grandes lignes du projet de loi de finances pour l'exercice 2022. Concernant le contexte sociopolitique, de prime abord, il convient de toujours garder à l'esprit le changement majeur intervenu dans le paysage politique de notre pays, avec la reconfiguration de la majorité parlementaire dont est issu votre gouvernement. Comme vous le savez, le gouvernement de la République a reçu du chef de l'État la mission d'améliorer le bien-être de notre population, qui se traduit comme suit. Au plan politique, l'engagement d'assurer la pacification du pays, de restaurer l'autorité et la dignité de l'État, de garantir la sécurité des biens et des personnes, de poursuivre les réformes politiques et institutionnelles, de recenser et d'identifier la population et d'organiser les élections générales dans les délais constitutionnels. Au plan économique, la diversification de l'économie assurant la revanche du sol sur le sous-sol, notamment à travers une nouvelle politique agricole, le développement des infrastructures de base incluant les routes, ponts, rails, ports, aéroports et autres bâtiments publics, la numérisation de l'économie, laquelle doit progressivement toucher tous les secteurs de la vie nationale, ainsi que l'industrialisation du pays. Au plan socio-culturel, la couverture sanitaire universelle, la gratuité de l'enseignement primaire, la construction des logements sociaux, et c'est en vue de matérialiser cette vision du chef de l'État que le présent projet de loi de finances a été élaboré. Il constitue la première expression chiffrée du programme d'action du gouvernement que vous avez massivement et de manière historique approuvé en avril 2021. C'est la raison pour laquelle il requiert une adhésion massive et sans réserve de l'ensemble de notre peuple, ici, représenté
par ces élus légitimes que vous êtes. Élaboré dans un contexte marqué par la persistance de la pandémie à COVID-19, ce budget se veut à la fois réaliste et ambitieux, et non compte de vrais paramètres en présence. S'agissant de l'environnement économique mondial actuel, celui-ci reste globalement marqué par la reprise progressive de l'activité économique après une contraction observée en 2020 sur fond des mesures de restriction prises contre la pandémie à COVID-19. Ainsi, pour l'année 2021, le taux de croissance du produit intérieur brut mondial se situerait à 6% à fin décembre, contre moins 3,2% enregistré en 2020. La croissance du PIB devrait se situer, quant à elle, à 5,1% à fin décembre 2021, contre moins 4,7% en 2020 pour les pays avancés. À 6,7% à fin décembre 2021, contre moins 2,2% en 2020 pour les pays émergents et en développement, et à 3,4% à fin décembre 2021, contre moins 1,9% en 2020 pour les pays de l'Afrique subsaharienne. En termes de perspectives, les estimations du Fonds monétaire international d'avril 2021 projettent la croissance du PIB à 4,4% en 2022, consécutive aux mesures prises en 2021. La croissance des pays avancés est projetée à 3,6% en 2022, celle des pays émergents et en développement à 5%. L'Afrique subsaharienne, en particulier, pourrait atteindre un taux de croissance de 4%. La reprise attendue s'expliquerait notamment par l'assouplissement des mesures susmentionnées liées à la COVID-19, par la mise en place des dispositifs budgétaires et monétaires adéquats pour soutenir l'activité économique, ainsi que par l'extension progressive de la couverture vaccinale contre cette pandémie. Au plan national, votre gouvernement projette un taux de croissance à 4,9% en 2022, porté essentiellement par le secteur primaire et le secteur tertiaire. Dans le secteur primaire, l'on devrait encore compter sur les industries extractives en attendant les retombées des mesures prises et à prendre dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, ainsi que du tourisme. S'agissant du taux d'inflation, celui-ci est projeté à 6,3% à fin 2022. Pour y arriver, le gouvernement compte poursuivre la mise en œuvre de stabilisation du cadre macroéconomique déjà arrêté, notamment à travers le pacte de stabilité signé en août 2020 entre les ministères du budget, des finances et de la Banque centrale du Congo. La stabilité du taux de change constaté actuellement, suite entre autres à une meilleure régulation de la liquidité par la Banque centrale du Congo et à l'absence d'un choc majeur sur le marché des biens et services, devrait se poursuivre jusqu'en 2022, avec un taux de change à fin période
projeté à 2130 francs congolais, le dollar américain. Parmi les mesures de stabilisation envisagées, il y a lieu d'épingler tout particulièrement le non-recours au financement monétaire du déficit du Trésor, et ce, grâce à l'appui budgétaire du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. L'amélioration de l'offre des devises découlant de l'augmentation attendue des recettes en devises provenant principalement des exportations minières. Quant aux réserves de change, leur niveau n'était que de l'ordre de 710,32 millions de dollars américains à l'investiture du gouvernement, correspondant seulement à 2 semaines d'importation des biens et des services. Au 30 juillet, ce niveau a été relevé à 1,792 milliards de dollars américains, correspondant à 7,36 semaines d'importation des biens et services sur ressources propres. À ce jour, le gouvernement se réjouit d'informer à l'auguste assemblée que ses réserves ont atteint la somme de 3,28 milliards de dollars américains, soit 13,5 semaines d'importation. Avec de bonnes perspectives d'amélioration des recettes, votre gouvernement poursuivra les efforts visant à renforcer davantage le niveau des réserves de change dans l'objectif de la constitution un jour des fonds souverains pour notre pays. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable député, en ce qui concerne les prévisions budgétaires à fin décembre 2021, celles-ci préfigurent l'exécution du budget en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 16 621,6 milliards de francs congolais, soit une amélioration de 13,7% par rapport à la loi initiale. Pour ce qui est des recettes internes, il sied de noter qu'à fin octobre 2021, nous avons enregistré des recettes de l'ordre de 10 868 milliards de francs congolais, en dépassement des prévisions des recettes prévues à fin décembre 2021, de l'ordre de 9 626 milliards de francs congolais dans la loi de finances initiale. Honorables députés nationaux, cette performance permet d'espérer qu'avec un effort plus accru dans la mobilisation des recettes, associé à une politique de rigueur dans l'engagement des dépenses, le tout reposant sur la politique de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion, le pays peut atteindre des budgets encore plus supérieurs à la hauteur de son potentiel. Ces résultats ont été atteints alors qu'au cours de la période sous revue, le gouvernement ne s'est pas dérobé à ses responsabilités. Tout au contraire, en dépit des difficultés rencontrées
dont de nombreux mouvements de grève et la persistance de la pandémie à COVID-19. Le gouvernement a procédé sans désemparer à l'exécution des dépenses prévues au budget, en privilégiant les dépenses contraignantes. Je pense ici notamment au paiement des salaires, au remboursement de la dette publique, au versement de la rétrocession due aux administrations financières, ou encore au transfert, au mieux que possible, de la part réservée aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Je pense également à toutes les dépenses prévues qui ont permis le financement de quelques actions. À titre d'exemple, la riposte aux catastrophes naturelles intervenues sur l'ensemble du territoire national, particulièrement l'éruption volcanique d'Nyiragongo. La poursuite de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. La poursuite de la gestion globale de la pandémie à COVID-19, avec un accent porté sur la lutte contre la troisième vague de cette pandémie. L'accélération des opérations de neutralisation des groupes armés apparentés par les FRDC dans le cadre d'état de siège décrété par le président de la République en vue de la pacification de l'Est et du Nord-Est du pays, sans négliger le début du processus de prise en charge progressif des militaires démobilisés. L'approvisionnement de la prison centrale de Kinshasa et d'autres prisons à l'intérieur du pays en produits alimentaires, carburants, lubrifiants et bois de chauffage. La lutte contre le banditisme urbain par la traque des Kuluna et leur réinsertion sociale. Le projet de réunification routière, notamment les axes Kinshuka-Pompage et l'Outenele-Kimbwala, ainsi que la mise en œuvre du projet Chilele. Le début d'exécution du projet de dégazage du golfe de Kabuno dans le Kivu. La mise en place progressive de l'Agence nationale de services énergétiques rurales. L'implantation progressive des incubateurs des entreprises. L'acquisition d'équipements agro-pastoraux en faveur du service national. Le vaste projet de développement à la base des 145 territoires du pays. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, abordons le point relatif au cadre budgétaire à moyen terme 2022-2024 qui constitue le document numéro 7 accompagnant le projet de loi de finances sous examen. Il s'y est de relever que ce cadrage a été élaboré par le gouvernement conformément à l'article 13 de la loi relative aux finances publiques. Il contient la prévision triennale de l'évolution de l'ensemble des dépenses et des recettes du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées pour la période allant 2022 à 2024. Il dégage aussi le solde des opérations financières, de même que l'évolution de l'endettement. De manière succincte, la trajectoire des finances publiques définie dans ce cadre budgétaire à moyen terme. Profil pour le pouvoir central, un solde nul pour l'exercice 2022, ainsi qu'un gap de 2583 milliards de francs congolais pour l'exercice 2023. Et un autre, 2654 milliards de francs congolais
pour l'exercice 2024. Au niveau aussi bien des provinces que des entités territoriales décentralisées, l'évolution des dépenses et des recettes postule des soldes nuls dans la programmation budgétaire 2022-2024. Le financement des gaps dégagés au niveau du pouvoir central appelle votre gouvernement à multiplier davantage d'efforts pour hausser le niveau des recettes courantes, à travers notamment la lutte contre la corruption, le coulage des recettes et toutes les antivaleurs, lesquelles gangrènent le circuit de mobilisation des recettes. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement veillera à ce que les emprunts contractés le soient à des conditions favorables, afin de garantir le caractère solvable de l'État et maintenir le stock de la dette publique dans les limites acceptables. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la mise en œuvre satisfaisante de la programmation budgétaire 2022-2024 reste vulnérable à certains facteurs exogènes et endogènes. Il s'agit principalement du risque macroéconomique lié à la baisse des cours des principales matières d'exportation du pays et du risque lié au respect des engagements sur les ressources extérieures. Honorable Président, honorable membre du bureau, abordons à présent le projet de loi pour l'exercice 2022. Je voudrais rappeler une fois de plus qu'il est élaboré dans un contexte particulier, marqué par certains facteurs poursuivant les objectifs ci-après. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement visant à construire un État fort, prospère et solidaire, lequel est regroupé en 15 piliers, articulés autour de 62 axes, et présenté à travers 4 grands secteurs d'activité, à savoir le secteur politique, justice, défense et sécurité, le secteur économique financier, le secteur de la reconstruction et le secteur social et culturel. La mise en œuvre du programme économique triennal conclu en juillet de cette année en cours avec le Fonds monétaire international, la riposte à la pandémie à COVID-19 dans sa troisième vague, l'état de siège décrété dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, visant à éradiquer complètement tous les groupes armés qui sévissent dans cette partie du territoire national, l'identification et le recensement de la population. Le processus de la mise en place des nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante en perspective des prochaines élections. La mise en œuvre du plan de développement à la base des 145 territoires, notamment par la construction, l'entretien et la réhabilitation des routes de desserte agricoles, la construction et la réhabilitation des écoles et des hôpitaux, l'électrification et la desserte en eau potable dans nos milieux ruraux, la construction et la réhabilitation des bâtiments administratifs pour les services de l'État, la poursuite de la mise en œuvre de la réforme des finances publiques visant singulièrement le basculement progressif de la budgétisation en mode programme. Pour l'exercice 2022, un accent particulier sera mis sur les réformes essentielles enclenchées depuis l'investiture du gouvernement
Il s'agit notamment de la poursuite de la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture sanitaire universelle et la diversification de l'économie, l'instauration de la gestion axée sur les résultats par les moyens du budget programme, ainsi que le rajeunissement et la modernisation de l'administration publique. S'agissant particulièrement de ce point relatif à l'administration publique et suivant les orientations du chef de l'État, votre gouvernement œuvrera de manière volontariste pour l'amélioration des conditions sociales et salariales des fonctionnaires et agents publics de l'État, toutes catégories confondues. Mais concomitamment, il sera procédé sans complaisance et avec fermeté à une série de réformes visant à assainir les fichiers et assurer la maîtrise des effectifs des fonctionnaires, accélérer le processus de mise à la retraite par vague d'agents éligibles, suivi d'un rajeunissement systématique et qualitatif. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement entend accélérer la lutte contre la corruption, le coulage des recettes, tout en promouvant la culture fiscale en vue de renflouer les caisses de l'État et financer la mise en œuvre des politiques publiques déclinées dans son programme d'action, en phase avec le plan national stratégique de développement, PNSD en sigle, adopté par le gouvernement en décembre 2019. Honorables députés, revenons à présent sur la configuration du projet de loi de finances pour l'exercice 2022. Je dois d'abord vous dire que celle-ci est sous-tendue par les indicateurs et agrégats macroéconomiques suivants. Taux de croissance du produit intérieur brut, 5,6%. Déflateur du PIB, 7,4%. Taux d'inflation moyen, 6,2%. Taux d'inflation fin période, 6,3%. Taux moyen de change, 2085,83 francs congolais le dollar. Taux de change à fin période, 2130,07 francs congolais le dollar. PIB réel, 12 842,95 milliards de francs congolais. PIB nominal, 119 540,82 milliards de francs congolais. Pression fiscale, 11,2%. Ainsi, ce projet de loi contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses, à hauteur de 20 730,1 milliards de francs congolais, qui par rapport au budget initial de l'exercice 2021, chiffré à 14 620,5 milliards de francs congolais, réalise un taux d'accroissement de 41,8%. Les agrégats de ce projet de budget se déclinent sous trois formes, à savoir budget général, 19 070,3 milliards de francs congolais. Budget annexe, 409,9 milliards de francs congolais. Comptes spéciaux, 1249,8 milliards de francs congolais. Les recettes du budget général comprennent les recettes internes de 13 417,9 milliards de francs congolais et les recettes extérieures
de 5 652,4 milliards de francs congolais, représentant respectivement 70,4% et 29,6% du budget général. Les recettes internes sont constituées essentiellement des recettes courantes ventilées de la manière ci-après. Recettes des douanes et assises, 3 900,1 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 49,6% par rapport à l'année précédente. Recettes des impôts, 6 881,5 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'accroissement de 44,8% par rapport à 2021. Recettes non fiscales, 2 241,3 milliards de francs congolais, enseignant un taux d'accroissement de 32,1% par rapport à 2021. Votre gouvernement projette des mesures fiscales et administratives résumées comme suit. Premièrement, pour les recettes des douanes et assises, l'imposition des articles et ouvrages en matière plastique, conformément aux dispositions de l'ordonnance loi portant code des assises, à l'exception des produits de première nécessité en matière plastique, d'économie domestique. L'identification des entreprises minières ayant plus de 6 ans d'exploitation ne devant plus bénéficier des droits d'entrée préférentiels. La lutte contre la contrebande et l'émission des services extérieurs dans les opérations de dédouanement. La mise en œuvre effective de la convention SICPA portant sur le monitorage et la traçabilité des produits soumis aux droits d'assises. La poursuite de l'informatisation des bureaux de la douane. Deuxièmement, pour les recettes des impôts, l'implication du gouvernement pour la perception de l'IPR auprès des agents d'exécution bénéficiant du financement extérieur. Le suivi de la retenue et du reversement de l'IPR des engagés locaux des ambassades et missions diplomatiques. L'implication du gouvernement pour obtenir l'implémentation des dispositifs électroniques fiscaux de la remontée des informations sur la TVA. Dans ici les questions enregistreuses. L'implication du gouvernement dans le processus de biométrisation des données des contribuables au moment de leur immatriculation au numéro identifiant fiscal NIF afin de fiabiliser les répertoires des moyennes entreprises et celles de petite taille. L'application intégrale de la circulaire interministérielle relative aux modalités de retenue
et de reversement de l'IPR sur les primes, collations et autres avantages payés aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu'aux membres des institutions nationales et provinciales et des cabinets politiques, tout en veillant à la protection des gains petits. L'introduction d'un taux réduit de 8% en matière de taxes sur la valeur ajoutée applicable à certains produits de première nécessité, notamment les surgelés. Troisièmement, pour les recettes non fiscales, la poursuite des signatures des arrêtés interministériels fixant les taux des droits, taxes et redevances du pouvoir central, conformément à l'ordonnance loi fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. L'organisation des missions de contrôle mixte des gérables services d'assets sur les droits, taxes et redevances du pouvoir central. La mise en place des ordonnateurs délégués de la DGRAP et des comptables publics à travers tous les centres d'ordonnancement des recettes, notamment de la police nationale congolaise. La disponibilisation des imprimés de valeur, l'utilisation des visas biométriques en lieu et place du cachet unique et du laissez-passer individuel LPI non sécurisé. La mise en place d'une stratégie nationale sur la connexion et la connectivité pour étendre l'assiette fiscale des services de la télécommunication. Pour ce qui est des recettes extérieures, ainsi qu'indiqué plus haut, elles se chiffrent à 5 652,4 millions de francs congolais et enregistre un taux d'accroissement de 43,9% par rapport à leur niveau de 2021. Elles sont constituées des recettes d'appui budgétaire de 2 878,1 milliards de francs, principalement du Fonds monétaire international et de la Banque africaine de développement, et celle de financement des investissements de 2 774,3 milliards de francs congolais en termes d'engagement des différents partenaires bi- et multilatéraux de la République démocratique du Congo au titre de dons et emprunts à projet. Les recettes des budgets annexes, quant à elles, se chiffrent à 409,9 milliards de francs congolais, contre 362,8 milliards de francs congolais en 2021, soit un taux d'accroissement de 13%. Elles renferment les actes générateurs des opérations des établissements publics et d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que des hôpitaux généraux de référence. Les recettes des comptes spéciaux sont évaluées à 1 249,8 milliards de francs congolais, contre 702,6 milliards de francs congolais en 2021, soit un taux d'accroissement de 77,9%. Elles se rapportent aux opérations des comptes d'affectation spéciale. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, en ce qui concerne les dépenses de l'exercice 2022, comme je l'ai évoqué plus haut, elles sont présentées en équilibre avec les recettes, tant pour le budget général, les budgets annexes, que pour les comptes spéciaux. La ventilation en grande masse
des dépenses du budget général se présente de la manière suivante. Dette publique et frais financiers. 1217,2 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 33,1% par rapport à son niveau de l'exercice 2021, de 914,7 milliards de francs congolais. Outre le remboursement du principal et des intérêts sur la dette extérieure, ces crédits couvriront essentiellement la paye de la dette antérieure et la créance titrisée de la Banque centrale du Congo. Deuxièmement, les rémunérations. 5 789,1 milliards de francs congolais, qui par rapport à leur crédit de la loi de finances de l'exercice 2021, évalué à 5 193,3 milliards de francs congolais, réalise un taux d'accroissement de 11,5%. Cependant, rapporté à l'ensemble du budget, ce poste est passé de plus ou moins 70% habituellement à 36%. Cette enveloppe intègre notamment le recrutement et la mise à la retraite au sein de l'administration publique, de l'armée, de la police, ainsi que de la poursuite de la mise en œuvre de l'activité de l'enseignement primaire. En vue d'améliorer les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l'État, le gouvernement entend asseoir une politique salariale axée sur la rationalisation des rémunérations. Troisièmement, les biens matériels et prestations. 2050,7 milliards de francs congolais, montant qui par rapport à son niveau de l'exercice 2021, de l'ordre de 1435,9 milliards de francs congolais, représente un taux d'accroissement de 42,8%. Ces dépenses comprennent le fonctionnement des institutions, chiffré à 873,1 milliards de francs congolais. Le fonctionnement des ministères, y compris le financement des réformes d'un import de 913,8 milliards de francs congolais. La subvention au service déconcentré d'un montant de 22,8 milliards de francs congolais. Les charges communes, chiffrées à 241,1 milliards de francs congolais. En sus du fonctionnement courant des services, les dépenses des biens matériels et prestations couvriront, entre autres, les charges liées à la sécurisation du pays, au fonctionnement des écoles et des bureaux gestionnaires dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire, à l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments essentiels, l'achat des intrants agricoles, au financement des réformes des finances publiques de l'administration publique, à l'accompagnement des provinces dans l'élaboration de leurs plans de développement, au désenclavement des zones inaccessibles en province et à la production des permis de conduire biométriques sécurisés avec plus. Quatrièmement, transferts et subventions. 1916,1 milliards de francs congolais, qui par rapport à leur niveau de 2021, chiffré à 1533,1 milliards de francs congolais, réalise un taux d'accroissement de 25%. Ils comprennent la rétrocession aux administrations financières, chiffrée à 750 milliards de francs congolais. Le transfert aux provinces et aux entités territoriales décentralisées au titre de fonctionnement et d'un import de 447,8 milliards de francs congolais. Les interventions économiques, sociales
culturel et scientifique, évalué à 358,6 milliards de francs congolais. La subvention aux organismes auxiliaires et services ex-BPO de l'ordre de 66,1 milliards de francs congolais. La bourse d'études d'un montant de 15 milliards de francs congolais. La TVA remboursable d'un import de 263,5 milliards de francs congolais. La mise à la retraite des agents et fonctionnaires d'État pour une première quotité de 15 milliards de francs congolais. Cinquièmement, les dépenses d'investissement. 7 182,2 milliards de francs congolais par rapport à leur niveau initial en 2021, chiffré à 4 271,3 milliards de francs congolais. Cette rubrique réalise un taux d'accroissement de 68,1%. Elle se décline comme suit. Investissement sur ressources propres, 4 407,8 milliards de francs congolais. Ils couvriront les projets du gouvernement central chiffrés à 1 957,1 milliards de francs congolais. La contrepartie gouvernementale d'un import de 111,5 milliards de francs congolais. Le projet de développement de province à hauteur de 1 321,4 milliards de francs congolais, ainsi que les fonds destinés à la Caisse nationale de péréquation d'un montant de 1 017,8 milliards de francs congolais. Investissement sur ressources extérieures. 1,3 milliards de francs congolais. Les principaux projets à financer en 2022 sont, entre autres, les travaux de lutte anti-érosive à travers le pays, l'acquisition des matériels pour l'installation de la fibre optique en vue de la migration vers le système téléphonique CUCM, la construction des bâtiments devant abriter les tribunaux de paix dans les 145 territoires, la pacification et la stabilisation de l'est du pays, la réhabilitation et la construction des infrastructures devront abriter les 9e Jeux de la francophonie, la construction de nouvelles casernes militaires, ainsi que la réhabilitation de la base de Kitona et de Kamina, l'acquisition des matériels informatiques pour la numérisation des administrations financières, la création et le déploiement de la chaîne de la recette, la réhabilitation des prisons à travers le pays, la construction, la réhabilitation et l'entretien des routes, voiries et édifices publics en vue du désenclavement du pays. Modernisation des parcs de la foire internationale de Kinshasa. L'acquisition d'équipements nécessaires à la certification des réserves pétrolières et gazières. La construction de la tour administrative des hydrocarbures. L'électrification par énergie solaire, notamment des 145 territoires de la République et des 15 chefs-lieux des nouvelles provinces. L'appui au développement du site d'Inga et d'accès à l'électricité. L'extension des systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. La réhabilitation des ports fluviaux et lacustres, des routes nationales et des voies ferrées. L'appui à la relance
de la MIBA. Sixièmement, crédit provisionnel, 915 milliards de francs congolais, représentant 4,8% des dépenses du budget général et devant financer le début des opérations électorales. 500 milliards de francs congolais. Les réserves budgétaires, 90 milliards de francs congolais. La couverture éventuelle sinistre et calamité, 75 milliards de francs congolais. Début des opérations de recensement et d'identification de la population, 250 milliards de francs congolais. Enfin, il convient de rappeler que les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux sont présentées en équilibre avec les recettes correspondantes. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, mon allocution de ce jour, axée sur la présentation du projet de loi de finances pour l'exercice 2022, a abordé successivement les points ci-après. Le contexte socio-politique du pays, les faits marquants de l'environnement économique récent sur le plan international et national assorti de perspectives, la situation de l'exécution de la loi de finances à fin juin 2021, les grandes lignes du cadre budgétaire à moyen terme 2022-2024. La présentation, proprement dit, du projet de loi de finances 2022, lequel contient un budget national équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 2 730,1 milliards de francs congolais. À travers ce projet de loi de finances, le gouvernement de la République entend marquer sa volonté de donner suite à ses engagements pris devant la représentation nationale, conformément à la vision de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Ces engagements, vous le savez, ne visent une seule chose, l'amélioration du bien-être de la population, le chef de l'État ayant placé l'homme au centre de son action, l'amélioration de ce vécu de la population ne sera possible que grâce à l'augmentation du niveau des recettes de l'État et à une meilleure maîtrise des dépenses. Comme vous le savez, et comme vous avez pu le constater, la constitution de la réserve de 500 milliards de francs congolais pour l'exercice 2022 destinée aux premières opérations électorales et de 250 milliards de francs congolais pour celle du début des opérations de recensement et d'identification de la population constitue un signal fort de notre gouvernement pour la poursuite de l'ancrage démocratique de notre pays et la normalisation de la vie citoyenne. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national et légitime du peuple congolais, fort de tous ceux qui précèdent, et face aux énormes défis dressés devant nous,
Nous devons avoir le courage de faire des choix. Et ces choix peuvent par moments s'avérer difficiles. Mais il faut le faire et l'assumer en toute responsabilité. Comme nous le rappelle souvent le président de la République, chef de l'État, la route qui mène vers le changement et le progrès n'est pas toujours toute faite. Elle est parfois, et bien souvent parsemée d'embûches, de toutes sortes d'obstacles. Et ces obstacles, c'est ensemble que nous devons les surmonter. À cet instant même, les Congolais sont très préoccupés et on attend des résultats concrets des politiques publiques actuellement en chantier et qui sont notamment portées par le projet de loi de finances qui vient de vous être présenté ce jour. Ce n'est un secret pour personne. Nos compatriotes ne croient plus aux intentions et aux dogmes. Ils veulent palper et vivre dans le vécu quotidien le changement. En optant pour le réalisme budgétaire et l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques, l'objectif affirmé de votre gouvernement est d'agir véritablement pour une orientation nette des ressources vers les secteurs productifs, mais aussi et surtout vers le social des Congolais, avec réduction du train de vie des institutions. Certes, la tâche qui est la nôtre est bien gigantesque, mais avec une réelle volonté collective, je reste persuadé, comme je l'avais dit lors de mon discours d'investiture du gouvernement, qu'impossible n'est pas Congolais. Car en fait, il ne peut y avoir de construction nationale sans une dynamique de conjugaison d'efforts. La République démocratique du Congo, ce grand pays, chargé de défis à relever, se doit conséquemment de réclamer de ses filles et fils une hauteur de vue, ainsi bien dans le comportement, dans la gestion de la chose publique, que dans le cap collectif qu'il se fixe. C'est aujourd'hui que nous devons décider de ce que nous voulons pour notre pays demain. Voilà pourquoi, au-delà de nos divergences, au-delà de nos appartenances politiques, face aux défis susmentionnés auxquels notre nation fait face, un sursaut patriotique s'impose à tous. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable députés nationaux et du légitime de notre peuple, le temps des élections viendra. Aujourd'hui, l'heure est à l'action et au travail. Voilà pourquoi je sollicite humblement de la représentation nationale qu'elle veuille bien accorder au gouvernement de la République les armes et les munitions les plus appropriées afin qu'il combatte le bon combat républicain, celui que nous nous devons de mener contre la pauvreté et pour le triomphe de l'intérêt général sur les intérêts privés, quels qu'ils soient. Sur ce, je voudrais donc, en m'adressant aussi bien aux députés nationaux, de la majorité, qu'à ceux issus des rangs de l'opposition républicaine, les inviter tous à accorder leur suffrage éclairé pour l'adoption du projet de loi de finances que nous avons soumis à l'appréciation de votre chambre législative. Qu'il plaise donc à notre représentation nationale,
que dis-je, aux élus légitimes de notre peuple que vous êtes, de se prononcer massivement en faveur de la recevabilité du dit projet de loi de finances pour l'exercice 2022, tel que je viens de vous le présenter. Le gouvernement compte sur votre soutien et sur votre apport dans l'amélioration du dit budget. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement s'articule sur 15, est articulée autour de 62 axes, 15 piliers. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, vient de terminer la présentation de l'examen du budget exercice 2022 qu'il vient de soumettre à débat. C'est interdit. À la merci. Présentation nationale.